DELF B1, intermédiaire. À ce niveau, l'utilisateur devient intermédiaire. Il est maintenant capable de poursuivre une interaction, il peut comprendre et poursuivre une discussion, donner son avis et son opinion. Il est capable de se débrouiller dans des situations imprévues de la vie quotidienne. Les différents types de DELF B1. Il existe 4 types de DELF B1. Le DELF B1 tout public, pour les adultes. Le DELF B1 junior, pour les adolescents scolarisés de 12 à 17 ans. Le DELF B1 scolaire, pour les adolescents scolarisés de 12 à 17 ans. Le DELF B1 pro, pour les personnes qui veulent travailler en France ou dans un pays francophone. Le DELF B1 est composé de 4 parties. La compréhension orale. La compréhension écrite. La production écrite. La production orale. Chacune de ces épreuves est notée sur 25 points, les 4 épreuves représentent donc un total de 100 points. Pour réussir l'examen, vous devez obtenir un total de 50% minimum. Toutefois, si une des 4 notes est inférieure à 5 sur 25, alors c'est éliminatoire. Nature des épreuves. Compréhension de l'oral, répondre à des questionnaires de compréhension portant sur 3 documents enregistrés, 2 écoutes. La durée maximale des documents est de 2 minutes. Compréhension des écrits, répondre à des questionnaires de compréhension portant sur 6 documents écrits. Il faudra dégager des informations utiles par rapport à une tâche donnée et analyser le contenu d'un document d'intérêt général. Production écrite, expression d'une attitude personnelle sur un thème général, essai, courrier, article. 180 mots environ, et 160 mots minimum. Production orale. Épreuve en 3 parties. Entretien dirigé. Exercice en interaction. Expression d'un point de vue à partir d'un document déclencheur. Durée totale des épreuves collectives, 1h55. La note totale est sur 100. Le seuil de réussite pour l'obtention du diplôme est de 50%. La note minimale requise par épreuve est de 5 sur 25.